Photoscope 2023, la grande finale. Ils se sont hissés au sommet durant les manches éliminatoires. Place maintenant à l'apothéose pour remporter cette grande finale explosive de l'édition 2023. Qui, de Soleil de Port-Boué, Amamouébia d'Abouassou, Jeunesse SD de Yamoussoukro, Diamant Noir de Yopougon et Les Étoiles d'Odiéné, remportera le grand prix du Premier ministre. Pour le savoir, tous au Parc des Sports de Trècheville ce samedi 16 septembre à partir de 14h. Tickets disponibles sur billetique.net à RTI Publicité Vallon et RTI Cocody. Tarif unique, 3000 francs CFA. La grande finale de Variétoscope à suivre en direct sur RTI 1. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé. Bonsoir et bienvenue à la dernière rétro avant bien sûr le grand récital de cette édition 2023 de Variétoscope qui se tiendra le samedi 16 septembre 2023 du côté du Parc des Sports de Trècheville et bien sûr à la grande salle La Rotonde. Mais bien avant, nous allons essayer de passer en revue la manche des Ségons qui s'est tenue autant pour moi le samedi dernier. Et pour en parler, nous sommes avec les jurys, Madame Goyer Judith, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Brac Kwaku Désiré, bonsoir et bienvenue. Avec vous, on parlera évidemment, comme je l'ai dit, de cette manche des Ségons. Me fait dire dans l'oreille, c'était le vendredi dernier. Voilà, du côté du Parc des Sports de Trècheville, on est tellement habitué au samedi qu'on s'y perd souvent. Alors, avant bien sûr de parler de cette manche des Ségons, nous allons passer en revue, bien sûr, ces temps forts de cette édition. J'ai rencontré, j'étais sûr d'une chose, qu'on était fait l'un pour l'autre, mais apparemment je me suis trompé. Au fond de toi, j'étais tourné mon cœur, et toi tu l'as brisé en mille morceaux pour le blé. Joseph Anjou, je suis désolé, tu as trop zaillé. Je suis désolé, Didier Bléou, je suis désolé, tu as trop zaillé. Je suis désolé, j'avais tellement de bons projets pour toi et moi. Trop pressé et patient, tu y es parti. La flottie est mort. Maintenant que ça va chez moi, tu veux revenir. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux revenir. Voilà, de retour en plateau, bien sûr. Et maintenant, il est temps pour nous d'échanger avec nos jurys qui ont eu cette lourde tâche de nous déterminer le dernier ticket avec le groupe qui a été qualifié pour la finale. C'était déjà le groupe Étoile d'Odiéné. Alors, avant bien sûr de parler du premier, on va revenir sur la prestation du groupe classé 4e et on revient. Dans la bouche de celui qui sait l'apprivoiser, la façonner, la crier, la récrier, la soigner, la choyer, la contrôler, la déshabiller, la caresser, la bécoter, la déguster et la digérer. Bonjour les demoiselles, est-ce que je peux m'entretenir avec vous? Oui mon chou, et tout libre pour toi, tu donnes ton rendez-vous et je suis à ta disposition. Non, ça va, je suis pas venu pour ça. En fait, je suis un agent du centre de service civique. Nous sensibilisons les jeunes pour leur réinsertion dans la société. À l'instant donc, la prestation du groupe qui a été classé 4e avec 196 points, Taloua Diasso de Moronou, Monsieur Bra, qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation de ce groupe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de ratés à leur niveau, beaucoup de ratés et puis de gestes inutiles. Voilà, on est dans, je veux dire, au sommet de Variétoscope, il y a des gestes qu'il faut bannir, il faut aller à l'essentiel et puis gagner en efficacité. Sans oublier que vous avez commencé dès le départ avec, je crois, une équipe. Il faut maintenir l'équipe. Ce n'est pas en demi-finale que vous allez, je dirais, pratiquer ce qu'on appelle le mercenariat. Pour aller prendre, débaucher, par exemple, un narrateur d'un autre groupe, ça, c'est pénalisable puisqu'il y a les licences qui sont là. Donc, par exemple, ce groupe, au niveau du narrateur, 0 point pour tout le monde du jury. Voilà.
D'accord. Je pense que ça avait été signalé. Hein. Oui. Tous les groupes qui feront appel, bien sûr, à un mercenaire, ces groupes seront sanctionnés d'office, même, je dirais, relevés de la compétition. Alors, avec vous, Madame Goyer. Toujours pour le groupe. C'est ça, pour le groupe classé 4e. Morono, ils avaient une scène vraiment surchargée. Voilà. Et il y a la propriété scénique aussi qui compte. Les accessoires doivent avoir leur sens d'être sur la scène. Il y avait trop de choses inutiles qui traînaient. Et ça risquait un peu la vie des danseurs qui glissaient et plein d'accessoires par terre. C'était pas vraiment joli à voir pour une propriété scénique. D'accord. Je pense que l'année prochaine, le groupe va mieux se préparer et tenir compte en tout cas de tout ce qui a été dit par notre jury présent cet après-midi. On va poursuivre cette fois avec la prestation du groupe classé 3e et on revient. Avec les premiers notables, j'ai acheté les terres, il m'a même remis les papiers. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Eh hey, Dieu! Non, pas toi mon frère, non pas toi. Alors pris de colère, il alla trouver son frère pour en avoir le cœur net. Arrivé chez Nanko, il trouva sa femme et son fils. Et toi là, où est ton mari? Mon chéri, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore vu ton frère. Et puis nous-mêmes là, nous n'avons même pas encore mangé. Laissant bien sûr la prestation du groupe classé 3e, Ashika Pimi, Danyama, un groupe qui partait avec tous les, je dirais, les scores favorables des uns et des autres. Qu'est-ce qui a empêché ce groupe de passer cette étape-là, ce cap-là? Bon, il faut dire que c'est essentiellement au niveau de la danse. Hein. Au niveau de la danse, puisqu'ils ont remporté le meilleur effet de société avec, je dirais, la prestation de, sur le thème les conflits fonciers. Ils ont vraiment bien matérialisé sur scène, qui a fait que tout le monde du jury lui a donné la caution pour être le groupe qui remporte le meilleur fait de société. Mm-hmm. Bon, sauf que c'est au niveau de la danse, je crois que Judith pourra mieux. Ils ont donc péché à ce niveau-là, Judith, qu'est-ce qu'on pouvait dire donc à ce groupe-là? Ils ont commis cette erreur-là à la 3e manche, où j'étais jury, et là, ils ont repris les mêmes choses. Ils négligent certaines disciplines au détriment de d'autres. Ils ont plus misé sur le 2e morceau, le morceau au choix, plutôt que le morceau imposé. Imposé. Voilà. Et puis, pour une belle lecture chorégraphique, ils ont tendance à danser rapidement, comme si on les poursuivait. Et pourtant, on peut danser rapidement, moins rapidement, lentement. Pourquoi ne pas faire même des pauses corporelles pour respirer? Ah, ça existe en danse. Voilà, oui, pour respirer, question d'embellir. Et c'est encore plus joli pour une lecture, une belle lecture chorégraphique. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à vous et pour ces sages conseils. On partira maintenant cette fois avec la prestation du Enjoy System Doumé qui a terminé bien sûr à la 2e place, donc éliminé. Désolé, votre nom ne figure pas sur le listing. Toi, t'es malade. Moi, je ne vais pas voter ici. Attends, on casse tout dans mes oreilles. Oh, 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 monsieur, tu calmes là. Nous sommes ici dans un bureau de vote. Donc, pas de bagarre. Et les gens qui me parlent comme ça, on les envoie un bouquet de fleurs au cimetière chaque vendredi. Toi, t'es malade, quoi. Et, attends, allez, mon avis. Attends, attends. Attends. Je vais te montrer de quel voyage. Attends ça. Allez. Un, deux. Let's go!
Joy System Doumé, qui était, je dirais, l'un de mes favoris. Malheureusement, je ne fais pas partie du jury. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour mon groupe favori? Ben, il faut dire que Oumé nous a un peu déçus. Pourquoi? Parce qu'au niveau du morceau imposé, ils ont commis beaucoup de fautes. C'est ça. Alors, à part ça, vous avez vu tout à l'heure le morceau au choix, c'était vraiment impeccable. On a vu vraiment la tradition gourou sur scène. En tout cas, nous tous, on était bluffés. Par contre, le premier morceau qui est imposé, où il faut avoir le plus de points, là, ils ont fauté. D'accord. Vous avez vu, ça fait 2-3 points seulement de différence avec Odjeni. Tout à fait. 3 points seulement. Tout à fait. Est-ce qu'il n'était pas timoré après la prestation du groupe d'Odjeni? Le fait que les danseurs étaient en salle, est-ce que c'est parce qu'il a joué un peu là-dessus? Peut-être, peut-être. Mais le petit péché de Oumé, c'était au niveau de la scénographie. La scénographie, elle fonctionne quand les éléments ou les outils ont leur raison d'être sur la scène. Du moment où un décor ou un élément rentre en manipulation avec le danseur, cela devient un accessoire. Et quand l'accessoire est mal utilisé, c'est comme une histoire inachevée, elle est mal racontée. D'accord. Oumé nous a laissé sur nos faits, on s'attendait à mieux que ça. Il y a même des décors qui ont été utilisés, comme l'image qu'on vient de montrer en orange, ils ont jeté de la poudre qui était risquée pour les autres danseurs à venir. Tout à fait. C'est la créativité quand il faut le faire en fin de spectacle ou le faire sur un tableau bien posé pour être sûr que ça ne dérange pas les autres danseurs. C'est l'erreur qu'ils ont commise. On a eu des danseurs qui ont même glissé et c'était très risqué pour... D'accord. C'est vraiment dommage hein, pour ce groupe que j'appréciais énormément. Mais bon, on dira rendez-vous l'année prochaine, hein, pourquoi pas. Vraiment, félicitations en tout cas à ce groupe et à leur parrain qui n'a pas hésité à les accompagner jusqu'à la dernière minute. Passons maintenant en revue le passage du groupe classé premier à cette dernière manche. Je te dis de m'apporter ma nourriture, tu m'apportes de l'eau. Pardon chérie, la nourriture arrive. Voilà, des retours en plateau. Après bien sûr cette prestation du groupe Les Étoiles d'Odjeni qui a bien sûr raflé la première place lors de cette manche des seconds. Qu'est-ce qui a milité à la faveur de ce groupe-là? Je dirais que c'est la métamorphose. La métamorphose parce que par rapport à la première manche de Djéné, et cette manche-là, il y a vraiment un changement radical. On peut dire c'est le jour et la nuit, au fait. C'est le jour et la nuit. Merci. C'est le jour et la nuit. Tout était synchro. Et ils ont même ajouté encore des créativités, se lancer par exemple des accessoires, comme Judith le disait, qui ont fait que vraiment... En tant que membre du jury, ça nous a bluffé. Ça nous a bluffé. C'est vrai. Je le disais hein, avant, bien sûr, leur passage, c'est peut-être ce qui a joué à la défaveur du groupe de Doumé, parce que les danseurs étaient déjà en salle. Et quand on voit un adversaire donner tout, c'est clair que ça fout quand même un peu la trouille, hein, Judith. Oui, mais au Djéné, ils ont créé l'effet de surprise. Et c'était simplement waouh pour moi. Ils se sont démarqués carrément. Pour un groupe qui n'était pas favori dès le départ, on sent qu'ils ont vraiment travaillé, ils n'ont négligé aucune discipline. Et l'effet de surprise qu'ils ont fait, c'est ce qu'on recherche depuis que Varitoscope est Varitoscope. C'est ça. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté passionnante de cette émission-là. Ils ont innové. Je vois parler à beaucoup de passion, en tout cas. Il faut apprendre ses erreurs, voilà. Mieux rebondir. Ils ont écouté les conseils, ils ont appliqué ce qu'on leur a dit et... Ils ont mérité leur place. Alors, bien avant de passer, bien sûr, à l'autre étape de cette émission, de ce temps d'antenne, on va permettre à la régie de nous proposer cet élément qui résume, bien sûr, la remise officielle des clés du centre de santé de Soubeni. C'est aujourd'hui que la remise a été faite, hein, je dirais, en présence de plusieurs autorités. Et quand la RTI dit, la RTI fait. On dit merci, bien sûr, à la RTI et surtout à la Fondation Lonassi pour ce centre de santé qui permettra de sauver plusieurs vies. Voilà, et c'est ça, joindre l'utile à l'agréable. Qui repartira, bien sûr, avec une
autres œuvres sociales. Ça sera bien sûr au soir du samedi 16 septembre 2023. Voilà, le vainqueur repartira bien sûr avec une œuvre sociale d'une valeur de 50 millions et bien sûr une enveloppe, une ambulance médicalisée de 50 millions de francs CFA. C'est de la part du parrain, bien sûr, de Varitoscope, son excellence, M. Patrick Hachi. Premier ministre, merci beaucoup à la régie qui nous a présenté à l'instant ces images-là. Alors, Mme Goyer-Judith, qu'est-ce qu'on pourra dire au groupe qui sera en compétition le samedi 16 du côté du Parc des Sports de Trècheville? Okay. Le groupe en compétition pour la finale, on leur demande de travailler la qualité des mouvements. Voilà, au niveau de la vitesse d'exécution. Comme je viens de le dire, les danseurs dansent très rapidement. Comme si on les poursuivait. On croit que c'est le même chorégraphe qui tourne sur les mêmes groupes. Et qu'ils revoient, qu'ils mettent un peu de pause. C'est plus intéressant quand c'est posé. Quand c'est bien, bien orchestré, bien synchronisé. C'est ce qu'on leur demande pour une belle lecture chorégraphique. Il y a aussi, on leur demanderait vraiment de faire des répétitions costumées. D'accord. Voilà. Je sais que d'autres, ils viennent de coups de leur tenue, ils ne veulent pas les salir, ils veulent faire l'effet, mais il faut travailler avec. Parce que les danseurs ont du mal à aller au bout de leur mouvement quand la tenue, ils sont obligés d'être déchirés. Et là, on trouve des habits en lambeaux. Ce n'est pas vraiment joli pour une propriété scénique. D'accord. Fait qu'ils revoient tous ces petits détails-là pour vraiment être sûrs qu'ils vont rafler le trophée. D'accord. Merci beaucoup à Goyer-Judith pour l'information. Elle est artiste chorégraphe au Zogang International et critique culturelle des œuvres chorégraphiques. On va bien sûr lui permettre de se retirer le temps pour nous de recevoir ici en plateau M. Bamba himself, qui est le responsable event de la RTI. Alors, pendant que Bamba arrive, on va rappeler, si le tableau le permet, à la réalisation, voilà, le nom des cinq groupes qualifiés pour cette finale 2023. Soleil de Poivoué, qui aura pour fait de société le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Amamoué, Bia Dabouasso, avec pour fait de société le phénomène des enfants de la rue. Jeunesse SD de Yamoussoukro, avec pour fait de société les méfaits de la guerre civile. Diamant Noir de Yopougon, avec comme fait de société les dangers liés à l'utilisation des stupéfiants. Et pour terminer, les Étoile d'Odiené, avec comme fait de société héritage. Voilà, il est installé. Bon, Michel, ça va bien? Bien, merci, Eric. Tout va bien. Et quand on sait qu'on est à quelques heures de la grande finale du Varitoscope, bien entendu. D'accord. Quelles sont les dispositions à prendre pour participer à cette grande fête de la culture? Déjà, les meilleures dispositions pratiques, techniques et financière, bien entendu. Voilà. Alors, c'est déjà ce samedi, c'est la première bonne nouvelle, c'est effectif, c'est ce samedi, à partir de 15h, déjà on va ouvrir les portes à partir de 11h, donc il faut être là, déjà, prendre les tickets dès maintenant. Et il y a une très bonne nouvelle autour des tickets tout à l'heure, mais ce qu'on veut vous dire, c'est d'être rassuré, c'est ce samedi, à partir de 16h. C'est la grande finale, c'est le grand show, le dernier show des vacances, il faut faire, et puis après, on prend le chemin de l'école, bien entendu. Alors, Eric, la bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que le groupe RTI, n'est-ce pas, vous voyez, c'est déjà la rentrée scolaire, le groupe RTI pense aux parents. D'accord. Et on veut permettre aux parents de payer moins cher et d'économiser. Et puis, bien entendu, aller à l'école avec les enfants, payer quelques livres, quelques cahiers. Et donc, le prix sera seulement 3 000. Ah, mais c'est bien 3 000. Voilà. Et c'est l'année de la jeunesse également. Donc, permettre à cette jeunesse de venir faire et passer de bons moments et surtout des vacances saines. Et les tickets sont disponibles où? Les tickets sont disponibles ici même, à la télévision, à la RTI ici, hein, à l'espace RFK. Il faut les prendre dès maintenant. Il faut les prendre également, ces tickets, au Vallon, à RTI Publicité. Et sans oublier le jour J, pour ceux qui n'ont pas pu prendre les tickets assez tôt, il faut les prendre au Palais des Sports. C'est 16h que ça démarre, mais déjà ouverture des portes. Et on peut les prendre également sur Biétique, c'est oui, ça? Oui, sur Biétique.net, il faut aussi prendre les tickets. Et puis, comme je disais tantôt, permettre aux parents d'être à l'aise, mais la jeunesse, c'est l'année de la jeunesse. Et on permet aussi, c'est la Cannes, d'aller voir ce soir les équipes, nos équipes surtout, jouer ce soir pour encourager les éléphants pour la Cannes qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, donc, merci beaucoup, M. Bamba himself. 2 000 francs
mm-hmm. que vous gardez. D'accord. Pour aller payer vos merci beaucoup, M. Bamba Himself. On va rappeler que c'est à partir de 14h du côté du parc des sports de Trècheville. Et on me fait dire également que le village Varieto Village sera ouvert à partir de 10h. Donc 10h, l'ambiance va commencer jusqu'à 14h. On rentre en salle. Et puis bon, ceux qui n'auront pas la chance d'avoir accès, donc bien sûr, à cette grande salle, la Rotonde, pourront assister en direct hein, sur les écrans qui seront mis à disposition dans le village. Merci, Bamba Himself. Alors, c'est le vice-président, bien sûr, le professeur Mbra Kwaku Désiré. Pendant que les représentants des groupes s'installent, quel est le message qu'on peut donc donner ou conseil qu'on peut prodiguer, bien sûr, à ces groupes-là? Merci bien, Eric. On va commencer d'abord avec Soleil de Port-Boué. Je pense qu'il y a la représentante du groupe qui est là, Fabrice Doyéré. Il n'est pas là, Fabrice Doyéré n'est pas là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce groupe qui n'est pas là d'abord? D'accord. Ben, les gars, on se dépêche en studio et puis on va voir un peu. Voilà, Fabrice, il arrive. Fabrice Doyéré du Soleil de Port-Boué. Vous venez, asseyez-vous juste, arrêtez-vous juste auprès de Kofi Charlène qui est de Amamoué Bia d'Aboisseau, c'est ça. Hein? D'accord, ça va bien? Ça va très bien. On n'est pas crispé? Oui, un peu, un peu. Un peu? Oui. Non, on est... ça va bien sûr se passer. Comment le groupe se prépare? C'est papa très bien avec mm-hmm. le soutien de notre maire, d'accord. M. Emo Sylvestre, docteur Emo Sylvestre, député mm-hmm. maire de Port-Boué. D'accord. Il nous reçoit, il nous met les moyens à la disposition de la jeunesse afin que nous puissions montrer notre savoir. Est-ce pourtant déjà pris les tickets? Pas encore. Ah, il faut le faire vite. Ouais, d'ici jeudi, ça sera fait. Il faut le faire vite. Alors, Charlène, ça va bien? D'accord. Dites-moi, comment se prépare le groupe? Le groupe se prépare très bien. Nous avons le soutien de notre maire. Mm-hmm. Jérémy Alfred, qui est là depuis le début, qui nous soutient. D'accord. Ah, d'accord, on me fait signe que votre micro ne passe pas. Vous allez lui remettre votre micro. Voilà. Voilà, on y va. Oui. Le groupe se prépare. Très bien. Mm-hmm. Oui, donc on a le soutien de notre maire, mm-hmm. M. Ngouan Jérémy Alfred, qui est là depuis le début, qui nous soutient depuis le début. D'accord. Voilà, tout se passe très bien. Voilà, d'accord. On va maintenant procéder hein, au tirage pour votre ordre de passage. On commence d'abord par Soleil de Port-Boué pour voir en quelle position vous passez. Vous pouvez, allez-y, montrez-nous, faites-nous l'honneur, bien sûr. Port-Boué passe en cinquième position. Voilà, cinquième position pour le groupe de Port-Boué. Je marque ici 5. Amamoui Bia d'Aboisseau, vous tirez votre ordre de passage. Voilà. C'est première, voilà. Amamoui Bia d'Aboisseau passe en première position. Donc je marque ici 1. Voilà, merci beaucoup à vous. Pendant qu'il se retire, le professeur Goyer, le professeur Mambra, va donc nous donner les conseils pour ces deux groupes qui viennent à l'instant de tirer leur ordre de passage. Je voulais interpeller les groupes, notamment les narrateurs, concernant les faits des sociétés. Il faut aller à l'essentiel. Il y a des narrateurs qui prennent le temps à faire, par exemple, des traductions en anglais pendant que nous sommes dans un pays où, pour que le message passe, on peut prendre, par exemple, une langue locale telle que, par exemple, le djula ou bien le baoulé pour pouvoir véhiculer les messages. Mm-hmm. Et vous parlez en anglais, les gens sont venus pour danser. Bon, ils n'ont rien à faire, l'anglais. C'est vrai que l'anglais, c'est la première langue au monde, mais il faut gagner en temps. Mm-hmm. Puis, deuxième chose, notamment concernant les acteurs, aller à l'essentiel. Regardez, par exemple, il y a des gestes inutiles. Vous êtes en train de parler d'une affaire, par exemple, de terrain, mm-hmm. et on voit des acteurs qui jouent des jeux de terrain, comme si tout se résumait au sexe. D'accord, c'est bien noté, M. Mbra. Alors, nous sommes avec Kimi Jean Marshall, hein, qui représente Jeunesse SDD, Yamsoukro. Voilà, ça va bien, Yamsoukro? Oui, ça va. D'accord, alors dites-nous, on va maintenant passer au tirage rapidement pour voir votre ordre de passage, allez-y. Voilà, allez-y, l'honneur vous est fait. Voilà, Yamsoukro passe en quatrième position. Quatrième position, Yamsoukro. Et Hugues Anselme, voilà, qui représente Yopougon, bien sûr, va nous tirer l'ordre de passage. Ça va bien, Yopougon? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, tirez donc votre... C'est pas trop ça. C'est pas... Ah, mais ça va aller. Oui. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça ira, Dieu est grand. Ça ira, tirez. Voilà, ils sont donc en plateau avec nous. C'est le... L'ordre de passage, donnez-moi l'ordre de passage. Il passe en...
Je pense qu'on a deux fois un, hein, donc ça, c'est pas... On va tirer encore un autre. Voilà. Voilà. Et ça, c'est... Il passe en troisième position. Yopougon passe en troisième position. Ça nous fait... Voilà, donc il ne reste plus que les étoiles d'Odiné pour tirer, bien sûr, je dirais le dernier qui est le... en deuxième position. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Quelque chose à ajouter? Oui, vraiment, j'ai mal. J'aimerais dire comme ça, condoléances à la grande famille des danseurs de Variétoscope et de toute la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, nous sommes en deuil. Et dans la journée de mardi, à 6 heures, nous avons perdu une de nos meilleures danseuses. C'est ça. Ce nom, Samira Sougué. Voilà, et cette finale-là, nous lui dédions. Et Inch'Allah, Dieu fera. Cette coupe-là, au soir de samedi 16, nous irons lui donner cette coupe. D'accord. C'est ce qu'elle voulait. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup, les gars. Ils vont se retirer. Merci. Le temps que le représentant des étoiles d'Odiené vienne en plateau, Douabi Junior. Il arrive, je pense qu'on a déjà tiré 1, 3, 4 et 5. Il ne reste plus que la deuxième place. Hein. Ça va bien du côté d'Odiené. Les gens se préparent bien. Oui, tout va bien. Mm-hmm. Tout va bien, ça se passe super bien. Fin prêt, hein? Oui, on reste concentré. D'accord, ok. Alors, président, bon, c'est pas bien grave aujourd'hui, vous avez le chapeau des présidents. Alors, dites-nous, quel est le message adressé à ces trois autres groupes? Bien, c'est l'air dit d'aller encore toujours, comme on le dit en latin, cap diène, aller toujours plus haut, faire toujours mieux. Et ne pas oublier que le diable se trouve dans les détails. C'est ça. Voilà, c'est les détails qui vont faire exclure les groupes. Mm-hmm. Non seulement il y a le détail, mais il y a le nombre aussi. On a l'impression que les groupes ont tendance à envoyer plus d'effectifs sur les podiums que la qualité. C'est vrai que ça, c'est souvent gênant. Donc, il faut que les groupes pensent à cela pour D'accord. être vraiment efficaces. Judith l'a dit, plus on est concentré, on danse comme il le faut, avec des pauses, que d'être nombreux, on sort rapidement. Ça fait qu'il y a des pauses, il y a des vides là sur la scène. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Mbra Kwaku Désiré, qui était donc en plateau avec nous pour nous donner quelques conseils pour, en tout cas, terminer cette année 2023 en beauté avec le groupe qui aura le plus donné cette année. Voilà. Bonne chance, en tout cas, à ces cinq groupes, Soleil de Port-Boué, Amamoué, Bia d'Abouasso, Jeunesse SD de Yamoussoukro, Diamant Noir de Yopougon et les Étoiles d'Odiné. On se donne rendez-vous le samedi à partir de 14h, parce qu'on sera là-bas à partir de midi. Bon, le temps pour nous de prendre pied du côté du parc des sports de Trècheville et on espère qu'en tout cas que la fête sera très très belle. N'oubliez pas, le grand rendez-vous c'est à 19h pour la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Ben, la victoire reviendra bien sûr à la Côte d'Ivoire. Ça, j'en suis sûr et convaincu. Allez, au revoir. Variétoscope 2023, la grande finale. Ils se sont hissés au sommet durant les manches éliminatoires. Place maintenant à l'apothéose pour remporter cette grande finale explosive de l'édition 2023. Qui, de Soleil de Port-Boué, Amamouébia d'Abouasso, Jeunesse SD de Yamoussoukro, Diamant Noir de Yopougon et les Étoiles d'Odiené, remportera le grand prix du Premier ministre. Pour le savoir, tous au parc des sports de Trècheville ce samedi 16 septembre à partir de 14h. Tickets disponibles sur billetique.net à RTI Publicité Vallon et RTI Cocody. Tarif unique, 3000 francs CFA. La grande finale de Variétoscope à suivre en direct sur RTI 1. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé.